Ah, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à The Hunter et je suis vraiment très content de retourner sur le jeu. Tu vois, on appelle ça un tireur d'élite, mon gars. Tu l'as vu le moineau, comment qu'il est tombé? Les renards roux possèdent une acuité visuelle exceptionnelle et une ouïe tout aussi incroyable. Je vous conseille de les approcher par l'arrière si vous espérez en abattre un. Ça va être dur. Salut Gelotte, tu chasses? Pas en vrai, mais dans le jeu, ouais. Chut, Gigi! Il est à côté. Tu sais pas où il est, les mecs? Y'a ma fifi! Merde! J'ai sifflé, j'appuie sur la mauvaise touche, je voulais m'accroupir. C'est quoi la touche pour s'accroupir? Fifi! Cri d'avertissement. Un daim, c'est plus intelligent qu'un chevreuil. Un chevreuil, ça se laisse plus facilement approcher. Un chevreuil qui pose le canon sur le bout du nez, il dit rien. Je pourrais presque y rentrer le canon dans le trou du cul comme ça. Il serait là. Il attend. Il comprend pas. Non, c'est intelligent, je vrai. Il est parti, les mecs. Il est parti, il est parti. Balance-lui une boule de pétanque à la queue pour la pâter. Sur un chevreuil, je suis sûr que ça marche. Un chevreuil qui pose ton de le bout du canon du lance-roquette sur le museau, sur la truffe. Il est là, il se demande ce que c'est. Il met même le nez dedans, je suis sûr. Chut. Quand je vous dis que c'est con, un chevreuil. Oh, je l'ai touché quand même. J'aime bien parce que je tire une fois, il s'arrête et il attend la deuxième balle, tu sais. Il attend la deuxième vague. C'était quoi ça? C'est un moustique qui vient de me piquer comme ça? Est-ce qu'il est tombé un jour, ce chevreuil, quand même? Il me fait tourner en bourrique, là. Oh, vas-y, je l'attraperai jamais. Je l'attraperai jamais. Je vais partir sur un autre. Sinon, tu feras un best-of de Hunter. Bah, écoute, bah... pour l'instant, ça fait une heure qu'on joue à The Hunter. Y a pas grand-chose à mettre dans le best-of. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Vous savez, franchement, la plupart du temps, quand je joue à The Hunter, et que vous voyez des fois que dans les vidéos... je tue 4, 5, 6 biches, des bisons et tout. La vidéo, elle va durer 15 minutes. Faut savoir que moi, j'ai joué pendant 3 heures, tu vois. Oh, je l'achète. Je l'achète. Cette pulsion que je viens d'avoir, mon vieux. Laisse tomber, quoi. Encore un truc qui va me servir à rien parce qu'il y aura jamais rien ici, quoi. Après, ça veut rien dire. Oh là, je viens d'acheter une cabane à 2000 balles. Pété, y a rien, y a pas un chevreuil, y a que dalle. Elle sera jamais rentabilisée. Putain, pourquoi j'ai acheté cette dope, quoi? Ah, je suis vraiment un acheteur compulsif, moi, dans Hunter. Oh, écoutez! Non? J'ai cru. Putain, faudrait au moins qu'il y ait un gros bison devant moi, histoire de rentabiliser le truc, tu vois. J'y mette une balle sur le museau, quoi, mais y a rien. Là, les bestioles, ils sont en confinement aussi, hein, tu vois. Putain, j'aurais jamais dû acheter cette vieille cabane de merde, quoi. Mais franchement, putain, ça fait chier qu'on n'a pas croisé une bestiole. La seule que j'ai croisée, franchement, il s'est pris une balle et il s'est demandé c'était quoi. Il a attendu encore la deuxième pour être sûr que c'était bien une balle, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, les chevreuils, ils sont un peu cons dans le jeu. Par contre, un renard, c'est très, très, très malin et c'est très dur à voir. Là, ça va, on n'est pas trop dans le sens du vent, tu vois. Normalement, faudrait que j'en prélève un à l'arc, mais j'ai pas d'arc. Oh, cri d'accouplement. Viens t'accoupler avec mon sniper. Hein? Ah, il s'accouple, le cochon. Ok, je le vois. Ma fifi. Foiré, va! Putain, je l'ai loupé! Regardez, vous savez quoi? C'est tellement con, un chevreuil, qu'il suffit juste de le rappeler. Il va revenir. Vous allez voir, il va revenir. Oh, le cochon! Un sanglier! C'est con, un sanglier, non? Tu dois l'appâter, le bruit d'un kiki aussi, lui. Faut un bruit de groin. Un groin de porc, tu vois. Ça, il viendra pas avec ça. Il est pas aussi con que ça, quand même, si? Possible? Non, 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 non. Le père sanglier, il se laissera pas avoir comme ça, mon gars. T'inquiète. Hein, il a l'expérience du terrain. Il en a entendu des kikis de chevreuil dans sa vie de sanglier. Oh! Oh! Wow! Wow, 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 wow! Wow! Tu te calmes! Chut. Fouh, mon gars! Ah là là! Ah oui, mon petit père, et puis ouais. Ouais, 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 quand même. Bah, tu vois, ça m'a rapporté 817 balles. C'est pas mal!
Faut en profiter quand ça pleut comme ça parce qu'en fait, le bruit de tes pas est couvert. Viens là, ma fifi. Il y en a deux. Vous les voyez, hein? Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Oh putain, mais il y en a pas que deux, mon gars. Oh putain, si j'avais une grenade! Lui, je leur fais un deuxième trou de balle, mon gars, obligé! Ouh! The fuck? Oh, y'a de l'orage, mon gars! J'aurais dû plus prendre mon temps, tu vois. J'ai trop paniqué. Sors le lance-roquette. Ah bah là j'avais un lance-roquette, là, tout de suite, là. J'étais refait, gros. J'avais un lance-roquette. J'étais refait. Je me gavais de trophées. Oh, regardez! Regardez! Vous le voyez? Oh, il y en a un autre à côté. Regardez, il arrive. Chut. Toujours. Marquez sa proie. Oh là là, il est beau, lui. Hein. Oh. Il est beau. Hein. Très facile. Tu m'étonnes qu'il est très facile. Il est surtout très con, oui. Regardez-le pas. Allez, viens. Là. Chut. Allez, avance. J'ai refait un deuxième trou de balle, mon vieux, sûr! Ah, oh, oh, oh! Bon, saignement très faible quand même. J'y ai collé deux balles, hein. Je le traque bien quand même, hein. Vous voyez là dans le petit appareil là? Ah, j'ai peur de m'être trompé, les mecs. J'ai dû bifurquer au bout d'un moment. Ah, non, 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 j'ai dû le perdre. Tu sais, je dis laisse tomber et puis tu sais, je continue quand même, hein, tu vois, mais. J'ai encore de l'espoir, tu vois, mais non. Je vais en attirer d'autres. Révèle des informations sur la taille approximative du groupe de l'animal lorsque vous étudiez les traces sur une zone de passage et sur sa santé approximative. Ok. Tu chasses à quelle carabine pour l'instant? On va dire que j'ai celle-ci pour du petit gibier. J'ai celle-ci quand c'est un peu plus coriace. D'ailleurs, on va la recharger. J'ai celle-ci pour les grandes occasions, mais j'ai pas de munitions. Celle-ci, c'est pour les invités surprises. Voilà, et puis toujours, bien sûr, on sort jamais sans son colt, hein. Tu connais... Je connais le proverbe, mais j'ai pas de balle. Pipipi! Pipipipipi! Wow! Oh! Ah, ils sont là-bas. Ça pique? Par contre, elle est pas assez puissante, ma carabine, pour du bison. Je l'ai chatouillé avec mon fusil. Tiens, il a rigolé, il m'a posé une merde, tu vois, juste pour me faire chier, quoi. Bah, tu m'étonnes, mon gars. Il en a rien à foutre de mon fusil, le bison. Bah, je peux le suivre pendant des années, comme ça, il tombera jamais avec mon vieux fusil, là. Là, aux pompes, là, de près. J'y mets deux balles bien placées, mon gars. Je le dégomme. Mais pour ça, faut qu'il me charge. Et pour qu'il me charge, faudrait que je le surprenne, tu vois. Écoute! Je vais me faire charger, mon gars. Je sais pas où il est. Achète un arc. Ouais, mais j'ai pas assez pour acheter un arc. Oh, ok, cri d'avertissement. Sors les jumelles. Putain, mon vieux, on dirait que je joue ma vie. Cri d'avertissement. Sors les jumelles. On dirait que je joue ma vie, mon gars. Oh, oh. Ok, ok, les mecs. Droit devant. Troupeau. Trois bisons. Quatre. Cinq. Ils sont au moins cinq, six. Sept. Oh. Putain. Il me faudra un lance-grenade. Il me faut un lance-grenade, les mecs. Ok. Ok, ça arrive. Chut, ça arrive. Je fais trop de bruit. Je suis pas dans le sens du vent, c'est bon. Chut. Merde. Oh. 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 Il charge!
merde. L'enfoiré, va. Ah, il va me tuer. Il va me tuer. L'enfoiré. Il est mort. Je l'ai. 562, mon vieux. Ah, je l'ai troué. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, je sais plus où donner de la tête, les mecs. Je ne sais plus où donner de la tête, les mecs. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses qui se passent. Vous voyez? C'est ça, la magie de la chasse, un peu. C'est que des fois, il se passe rien pendant des heures. Et des fois, il y a trop de choses qui se passent d'un coup. L'enfoiré, j'ai bien cru que j'allais y rester. Par contre, oh là là, comment j'ai bouffé de la mune, mon gars. Tu vois, faut y aller tranquille, en fait. C'est ça. Chevreuil. Oh, lui, par contre, lui, mon gars. Je pense que lui, il a saigné. On va le suivre. Mais à mon avis, lui, je l'ai mis mal, hein. J'ai dû le mettre mal, hein. Oh, oui, 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 hein. Ah, pas tant que ça. Oh, gros. Oh. Oh. Ah, l'enfoiré, je l'ai touché, hein. Ah, putain, du coup, j'ai perdu mon chevreuil. Alors... Ça, c'est un dingue, ça, qui arrive, c'est un dingue. C'est un dingue, c'est un dingue qui arrive. Se prendre bastos, lui. Dingue ou bison, ça, d'après vous, c'est un dingue, ça. C'est des petits pas, c'est du dingue. Ça a le pas lourd pour un dingue, hein, ça a le pas lourd, hein. Oh, c'est un dingue, ça a le pas léger. Où est-ce qu'il est? Oh. Recharge. Je peux te dire, mon vieux, celle-ci, par contre, j'ai refait un deuxième trou de balle, à mon avis. Tu vois? Ah, j'ai mis au moins deux bastos, sur deux. Sur, sur, sur. Oh! Balle quasiment. Je vais devoir reprendre mon vieux fusil de merde. Vise le cœur et un mal ça rapporte plus. Ouais, je sais, mais des fois j'ai l'impression que je vise le cœur. Bon là j'ai visé quand même le trou du cul. Tu me diras, c'est trou du cul, c'est pas très loin du cœur. Hein, mais... On va dire que j'ai visé le trou du cul, mais le cœur y est, franchement. Voilà, j'ai visé le trou du cul avec mon cœur. Ah, qu'est-ce que je peux en raconter de la connerie, mon dieu. Putain. Il m'a vu. Hein? Ah, oh, ça t'intrigue, ça. Ah, ça, ça l'intrigue. Putain, j'ai plus que 3 balles. J'ai plus que 3 balles d'un bon fusil. Mais par contre, j'ai mon autre fusil, hein. Écoutez, il s'est arrêté. Crocodile Dandy. Ouais, tu connais celui-là? Putain, c'est vieux, ça. Crocodile Dandy. Ce vieux film. C'était pas mal. C'était un petit peu le Indiana Jones des eaux douces. Je l'achète, ça, ou pas? Je l'achète. Voilà, c'est acheté, mon gars. Allez, il y a des fois, faut pas se poser des questions pendant 10 ans. Oh, je crois qu'il y a un petit peu de monde là. Hein. Je vais voir. Alors, déjà, attends. Ah, ouais, il y a du monde. Hein. Oula, bah celui-là, mon vieux. Oula, celui-là, il a cours. Hein. Oui, oui, oui. Eh, viens. Laisse trouver, mon gars. Pas en mission chevreuil, quoi. Regarde. Regarde. Écoute. Il arrive. Ouais.
Hey, viens ma fifi. Allez, viens ma fifi. Ça arrive. Oh, ils sont où, gros? Je les vois pas. Ah si. Si, ils sont là. Allez, viens ma fifi. Viens ma fifi. Couché. Couché, mon gars. Net. Ah bah, il s'est pris un coup de fusil, je peux te dire que... Ah, ça l'a calmé 5 minutes, hein. Ah, ça t'a calmé, ça, hein. Oh, regardez, regardez. Regardez-moi ça. Un coup dans la tête bien placé. Ça me charge, ça me charge. Couché, mon gars. Recharge. Recharge. Oh. Putain, mais ils vont y aller à tour de rôle pour me charger ou comment ça se passe? Oh, toi, t'as mangé sévère, mon gars. Toi, t'as mangé sévère, par contre. Oh, lui, il va tomber. Il va tomber. Il est foutu, il est foutu. C'est peut-être moi qui suis foutu, je sais pas. Ah, il va tomber, il va tomber, c'est bon. Yes, nickel. Lui, il va me rapporter pas mal, tu vois. Regarde. Ah, 480. Ouais, quand même. Ah, c'est pas non plus... C'est pas la fête, quoi, mais... C'est pas trop mal. Petit kiki! Y'a ma kiki. Il est où? Il est où? Ok. Allez, viens. Allez. Couché. Toi. Ah bah il est tombé, mon gars. Il est tombé. Bah voilà. Tu vois, 418. Je prends.